Bonjour Patrick, bonjour Olivier. Bonjour. Donc vous travaillez tous les deux pour la concession BMW Mini Auto Lille. Oui. Au-delà de la vente de véhicules neufs, vous proposez plusieurs services, Patrick. Vous êtes directeur de cette concession. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents services que propose votre concession? Oui, alors Auto Lille propose tous les services inhérents à l'utilisation d'un véhicule, d'une automobile. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, nous vendons les véhicules neufs. Nous faisons des reprises. À ce titre, nous avons en permanence une centaine de véhicules d'occasion à proposer à nos clients en marque premium. Nous proposons. Qu'est-ce que vous appelez par marque premium pour nos clients? Les marques haut de gamme, notamment les trois marques allemandes bien connues. D'accord. Nous proposons tous les services de réparation, mécanique, carrosserie. Nous avons un service de réparation et d'entretien rapide ouvert jusqu'au samedi midi. Mm-hmm. Nous avons une conseillère sur le financement pour apporter en plus de la solution de financement le conseil adéquat. Mm-hmm. Et à ce titre, comme nous avons tous les panels de métiers, nous avons souhaité augmenter ces services auprès de la clientèle par l'arrivée chez nous d'un product genius, qui est une personne qui saura conseiller les clients sur tous les aspects d'une automobile, notamment technologique, et sur toutes les nouveautés que propose le constructeur pour cette année 2014. Et si on comprend bien, votre product genius ici, c'est Olivier. C'est Olivier. Exactement. Alors, en quoi consiste votre rôle, Olivier, au sein de la concession? Je suis vraiment là pour faire de la présentation de produits, des nouvelles technologies, car BMW est une marque forte en technologie. Mmh. Je suis également là pour accompagner les commerciaux dans tout ce qui est phase de présentation de véhicules et d'essais, afin de les aider dans toutes les présentations. Dans la démarche, pour exactement. Conseiller les futurs acquéreurs. C'est vrai qu'il y a tout le temps des termes un peu bien techniques. Tout à fait. Parfois, le but, c'est de pouvoir les expliquer avec des mots simples, des petits schémas, des vidéos, des croquis, afin que pour quelqu'un de quelque chose de compliqué paraisse simple. C'est votre spécialité, de pouvoir en gros de traduire le jargon bien technique automobile, branché, nouvelles technologies, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les voitures, c'est mis des ordinateurs sur roues. C'est exactement. Important pour vous, Patrick, d'avoir un product genius au sein de la concession? Ah, c'est très important. C'est un vrai plus. On souhaite vraiment apporter du service et du conseil à la clientèle. On est là bien évidemment pour vendre les voitures et les réparer, mm-hmm. mais il faut aussi apporter le conseil qu'attend le client aujourd'hui. Nos véhicules ont des solutions technologiques très avancées, Olivier pourra en parler. Beaucoup de ces solutions ne sont pas connues du client quand elles sont technologiques, ou des applications qui sont connues du grand public, et les clients ne savent pas forcément que nous les proposons sur nos véhicules. Donc on a vraiment besoin de cette fonction dans la concession aujourd'hui. Et justement, on va voir là, vous avez préparé une petite vidéo où vous montrez vos nouveaux produits pour 2014 oui, et l'intérêt justement d'avoir un produit génial au sein de la concession. On regarde tout de suite cette petite vidéo. Auto Lille, votre concessionnaire BMW et Mini à Lille. Bonjour à tous, Olivier de la concession BMW Auto Lille. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter deux véhicules, la série 2 coupé et tout de suite la série 4 cabriolet. Sur la partie avant, on retrouve les feux typiques des nouvelles BMW avec les anneaux lumineux, les Angel Eyes, qui vont jusqu'à la calandre, qui permettent d'asseoir l'auto et de lui donner un style très dynamique. J'avais également envie de vous parler de la face latérale de cette série 4, avec cette ligne de caractère qui prend naissance au niveau de l'essieu avant et pour venir se jeter directement au niveau du feu arrière, incluant également la poignée de porte, ce qui lui offre beaucoup de fluidité. Comme vous pouvez le voir, les roues sont projetées aux extrémités du véhicule, ce qui a deux avantages, une meilleure tenue de route et une direction plus souple. J'ai envie de vous la faire découvrir, allez, on va faire un tour. Nous sommes donc en train d'essayer la 420D cabriolet avec son 4 cylindres 184 chevaux. Par rapport à sa devancière, elle est plus longue, plus large, ce qui offre plus d'habitabilité au niveau du coffre et des places arrière. Notre véhicule d'essai est équipé de la boîte auto à 8 rapports, ce qui offre de la souplesse, du dynamisme et surtout des baisses de consommation. La BMW série 4 est équipée de série des feux xénon, des sièges électriques et du téléphone Bluetooth. Notre modèle d'essai équipé du GPS professionnel dispose de l'iDrive Touch, permettant, tout en roulant et de manière sécurisée, de rentrer vos destinations sur le pavé tactile. Comme promis, je vous présente maintenant un véhicule beaucoup plus sportif, la M235i, avec son 6 cylindres 326 chevaux. Cela permet un 0 à 100 en moins de 5 secondes. Ce moteur 6 cylindres est équipé de deux turbos, ce qui lui permet des accélérations vives à tout moment. Il est également posé sur l'essieu avant, ce qui lui permet une meilleure répartition, point important sur ce type de véhicule. Je vous ai parlé du moteur, le mieux, c'est de l'écouter. Cette série 2, dans la finition M-Sport, est équipée d'un serre en aluminium, de sièges sport, lui offrant une atmosphère très sportive. La BMW série 2 est également équipée d'un système Hi-Fi Harman Kardon composé de 16 haut-parleurs. Il permet une restitution optimale de vos musiques préférées.
Si vous souhaitez essayer ces deux véhicules, n'hésitez pas, l'ensemble de l'équipe BMW Auto Lille vous y attend. Bon, on rappelle quand même que BMW ne fait pas que des produits BMW, vous faites aussi la Mini. On fait également toute la gamme Mini. Toute la gamme Nous Mini. Présentons la nouvelle Mini dès demain soir et nous serons en portes ouvertes ce week-end, donc les 15 et 16 mars, pour la présentation de cette nouvelle Mini, mais également toute la gamme BMW, nos véhicules d'occasion et il ne faut pas l'oublier, la gamme BMW i pour les voitures électriques. On rappelle l'adresse justement de la concession ? C'est boulevard de l'Ouest à Villeneuve-d'Ascq, www.autolille.fr. Super, merci d'être venu dans Magapart nous présenter Merci. Vos voitures. Merci à vous.